La spondylarthrite ankylosante est une maladie invisible, c'est une maladie inflammatoire, c'est une maladie pénible, épuisante et très handicapante à la fois sur le plan social et sur le plan familial et sur le plan même sentimental. Ces symptômes sont invisibles parce que la douleur est purement interne, n'a pas de traduction extérieure. Il y a simplement une douleur interne de la colonne vertébrale qui prend naissance vers 4 heures du matin et qui ne disparaît que vers le milieu d'après-midi. La douleur restreint l'élan vital, restreint la fluidité dans les relations sociales, et les gens qui sont atteints de spondylarthrite ont une tendance à se renfermer sur eux-mêmes et à peu exprimer leurs symptômes, à la fois parce que c'est une difficulté pour eux de se décrire, et à la fois parce qu'ils ont la conviction qu'ils seront confondus avec la banalité des gens qui ont mal au dos de façon chronique. On sait maintenant traiter ces patients-là, mais ils ont aussi un besoin qu'on les conforte dans leur expression quotidienne vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs conjoints, vis-à-vis de leurs employeurs et de leurs amis. C'est pour ça que se développent des activités sociales via certains réseaux sociaux qui sont encore partielles et qui mériteraient d'être bien sûr développées. Il y a une vraie nécessité d'ouvrir beaucoup d'espaces de dialogue, quel qu'il soit et où que ce soit. Ça vient s'ajouter à ce que l'on développe beaucoup dans les hôpitaux actuellement, qui est l'éducation thérapeutique, c'est des rencontres médecins, malades et, disons, soignants. Mais cette éducation thérapeutique est efficiente, mais elle ne suffit pas.